Bonjour madame et monsieur, une nouvelle vidéo avec un traitement autour Dark Souls 2 pour l'épisode 2 de la série Soul Level 1. Et dans le dernier épisode d'un petit coup de main, nous avons juste commencé le jeu, vu la thématique du jeu principal et nous avons seulement vu absolument rien à part me voir créer mon bonhomme. Donc c'est parti, on va continuer! Gros coup de main, 30 secondes même pas. Bon, ok. Et on va tuer tes bonhommes et je tue vraiment pas fort. Ouais. J'ai aucune chance pour reprendre la vie, donc il va falloir jouer à la ramorque. On peut tuer les backtam, non? On peut bloquer, je veux pas. Pourquoi on peut bloquer et rentrer nos deux mains? On pourrait pas le faire deux mains? On bloque? On parie, on peut attaquer, on attaque normal, bon ça fait plus mal à deux mains qu'à une main. Donc je vois absolument rien quand il fait noir. Ah. Et ouais, donc... Ah, je suis revenu sur mes pas, oh non. Oh non. Il faut tenir, je vois absolument rien. Hein. Mais c'est normal, pas noir, on est dans une grotte. Oh. Ok, j'attaque pas mal plus rapide à deux mains. Tant mieux de me donner un item. J'aimerais bien ça. Oui. Toi, viens. Yeah! Fait tellement mal. Faut une attaque tournée. Oh, yeah! Et voilà. Là, il y a un trou. On peut pas y aller. Bon, ben. Ok, on va juste explorer ici, je vous dis, ça va être quand même un peu dur le let's play là, parce que, yeah, bye! Surtout que je vais arrêter de jouer le moins possible en ligne, et est-ce que... Oui! Enfin, non! Yes! Gloire à moi! Ça fait autant mal que... Quasiment, les dégâts qui étaient comme plus importants, peut-être. Et voilà, boum! Ça fait beaucoup plus mal une dague. Dieu merci! Bon, j'ai aucune chance pour reprendre la vie, c'est ça que je vais trouver ça extrêmement dur dans ce display là. Je commence à être absolument rien pour reprendre la vie. Bon, on va essayer de venir lui ici, viens me voir. Et voilà, ça se déroule plutôt bien, on s'entend qu'on est supposément en petit target du jeu. Une chose pour reprendre la vie, youpi. Et ouais. Et voilà. On continue. Je vous dis, on va faire tout cet endroit là maintenant. J'avais ça, donc il faut donner ça à tout petit oiseau. On te donne quelque chose de smooth. Et nous obtenons de la pierre de Tigman. Bon. Pas la meilleure chose, mais c'est mieux que rien. Et voilà. Ah, on est à l'anonyme. Bon. Ce que j'aime pas, c'est que je prends des dégâts qui sont précisément pas bon contre ma survie. Bon. Oui, dans le différent de Dark Souls 2, faut te dire que t'es aussi un monde ouvert. Sauf que. Sauf que dans ce monde ouvert là, t'es plutôt en couloir, un peu à l'été de Demento. Donc, il va falloir jouer safe un peu. Qu'il n'y a pas des raccourcis, et t'es là partout pour avancer. Il fait vraiment noir, faudrait quand même j'ai une torche. Mais ouais. Oh mon dieu, ok. Bon, au moins je suis humain. De l'herbe ambrée est utile pour si on est magicien. Ok, j'avais peur de tomber. Mais je n'ai pas tombé, bon bref. Peut-être qu'il va falloir que j'utilise ma torche, ça va aller beaucoup mieux pour voir. Quelque chose me dit que... On va aller... Vague ici. Bon, on va faire tout cet endroit-là, on va récupérer le max d'items possible, c'était notre but.
Non, notre but est de rater pied pour un coup de flèche, après te faire tomber l'arbre. Ah non, tu m'attaqueras pas. Et voilà. Il y a qui me donne. J'ai pas de l'armure, moi, de. Oui, il me semblait que. De l'armure. Et voilà! Y a pas un montre en bas là qu'on pourrait atterrir dessus. Là, je vais t'en faire mal en tombant plutôt que. La raison pourquoi j'ai pris ma jambe de vie, parce que je t'avais, j'allais me faire attaquer pendant que. Je t'avais, t'allais me faire des dégâts. Parce que j'allais t'ôter. Voilà. Donc, t'as ta raison pourquoi je l'ai pris. Et t'as m'été un petit peu utile, sauf que. Pas fait trop effet. C'est une chance que j'ai un bouclier, parce que sinon je pense pas que j'aurais gagné en vie. Voilà. C'est un échec, quelque part, je vois pas grand chose. J'aime pas mon mental. Pas voir grand chose, on doit voir un raccourci. Un raccourci, bref ou pas. On arrive vers un endroit. Il nous permet d'aller voir tes montres là, voilà, qui n'est vraiment pas une bonne idée, et je suis d'avoir manqué un endroit, hein. Je sais qu'il y a plus de plate, j'ai pas été, on n'a pas été en haut là, mais c'est vraiment tant torche. Donc qu'est-ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chercher une torche, parce que je vois pas grand chose, ils vont pas allumer tous les, oh, on pourrait en allumer une coupe, ça va nous débuter. Je veux juste allumer ma torche. J'ai déjà assez de vie pour te revivre. Bon, on voit beaucoup mieux. Ah, voilà. Attention, ma stamina. Non, bref, on va allumer cette vie. C'est la plus proche. On a juste 4 minutes 40 qui nous reste à la torche. Donc, il va falloir faire vite. C'était juste qu'il y a des endroits où on peut aller que j'ai manqué à cause que je vois absolument rien. En fait, c'était avant ici. Bon. On va économiser ma torche pour le peu que je peux économiser. Voilà, on va la réanimer ici. On va refaire le chemin en fait. Bon, ça a sauvé peut-être 10 secondes, mais c'est mieux que rien parce que vous avez vu, il y a un chemin en haut. Non. Je voudrais pas que je tombe dans le trou encore parce que là, ça va me tuer. Bien évidemment. En tout cas, il y a un endroit où aller. Peut-être ailleurs, en fait. Ah non, je sais peut-être. Je sais peut-être. Et voilà, bon, j'ai trouvé. Bon, je savais qu'il y avait un endroit où on pouvait monter à quelque part, parce que... Premièrement, j'ai fait le jeu, deuxièmement, parce que... On finit. Bon. Oh, non. Je vais mourir. Oh là là. Je suis quasiment mort, faudrait que j'aie des jambes de vie très pas apprêtées. Oh, une porte. Bon. Et voilà. Oh ben bleu rouge, donc je vais pouvoir envahir un monde. C'est fou. Là tu m'inquiètes que j'ai vraiment pas beaucoup de vie. Et c'est ça là, hein, à part de ça, ça va. Pour ça, j'aurais. En même temps, j'aurais aimé avoir. Des choses pour reprendre ma vie. Ça sert absolument à rien de venir. On a fait le tour de l'endroit.
Bon, faudrait pas que je mange. Ah, ok. On a fait le tour de l'endroit. Maintenant, on va s'en aller à une ville laquelle qu'on va aller le plus souvent dans notre vie. Regretter aussi. Bon, ici, il y a des messages partout à terre. Écoutez bien. Bref, on s'en fout. Juste pour nous faire inventer. On voit absolument rien parce qu'il fait noir. Bon. Et nous y voici. Un magnifique endroit. Majula. Eh oui, c'est superbe cet endroit, je peux vous dire. Je peux vous dire, c'est un endroit lequel on va beaucoup apprécier dans le jeu. Parce que, on va y revenir souvent, c'est comme un peu le Nectus dans Dark Tour, dans Demon's Souls, c'est comme un peu le Litige Nord, Litige Feu dans. Comment dire, dans Dark Tour 1. Regarde, c'est des endroits très importants pour notre survie. J'espère pas que je vais mourir en tombant ici, là. C'est ça qui me fait peur. Pouk! Non. Madame Éclat du Secret. Bon, j'ai obtenu des items. Et je vais obtenir des jumelles. Oui. C'est des items ici de notre survie. Peut-être pas toutes, mais bref. On va aller au feu. Très important. On va même s'y coucher. Maintenant, on va récupérer les items dans Majula. On va parler à Madame T qu'on ne pourra jamais monter de niveau, malheureusement ou heureusement. Parce qu'elle a décidé. Are you C'est ça. the next monarch? Or merely a pawn of fate? Bearer of the curse. I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Non, bah oui, allez voir la voix. He who made Drangleic what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrick. Mais où est Vendrick? Bearer of the curse, seek misery. For misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Seek those whose names are unutterable, the four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. Once you have found them, return here to me, so that hope will not fade away. Okay. But seek souls, larger, more powerful souls. Seek the king. That is the only way. Lest this land swallow you whole, as it has so many others. Ben. Donc, on peut monter de niveau, mais on le fera pas. Donc, elle dit qu'on devrait rencontrer le roi, mais peut-être qu'on fera plus tard, comme qu'elle a dit, parce que dans le deuxième message, parce que nous ne sommes pas assez puissants pour le rencontrer avec Clipper d'âme. Donc quoi. Donc on démange pas combien de fois, mais toi t'es par le monde entier. You're undead, pas juste aren't you? You have that distinct scent, the smell of irreversible fate. This is Majula. It is a kind of settlement. A place where life is almost normal. And in Dranglake these days, there are very few places like that. I am Solden. And like you, I lost everything. And now I'm here. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you, me, or anybody. Do you know much about souls? Even I'm not certain, but I'm told that the soul is the essence of life itself. Anything living, sentient or no, supposedly has one. What we call the curse
is traceable to the soul. Do you see what that means? Oui. To be alive, to walk this earth. That's the real curse, right there. We undead will never die. And that's quite a predicament, really. There are four beings in this land with giant souls. Quatre. And wherever you go from here, you'll sooner or later come up against them. Each has a powerful soul and a terrible curse. If that frightens you, then you ought to just give up right now, like I have. En fait, oui, il y a quatre grands nombres que nous devons acquérir dans le jeu pour pouvoir progresser avant d'aller au roi. C'est de cette là qu'elle voulait qu'il parle. The journey of an undead is long and treacherous. You'll face invaders from other worlds at every turn. If you need help, why not proclaim faith in the blue sentinel? Oui, je vais rejoindre les sentinelles bleues. Pourquoi? When you face danger, the blue sentinels will come to your aid. Les sentinelles bleues vont venir en aide. Protection is yours, if you wish. You need only accept their kind embrace. Oui, je veux joindre la voie bleue. Comme vous l'avez dit, cette voie bleue va permettre à roi de Light, lorsque je me fais envahir par une personne, un bonhomme gauche. That is a wise decision. Et en même temps, je me suis joint pour ulti une autre chose. Weak, but the blue sentinels watch over us in their benevolence. Let the sentinels cradle you in their embrace. Ouais, j'ai joint ça aussi pour un bracelet. Cette bracelet permet. Oh yeah, un bracelet dit. Cette bracelet-là, dans le fond, quand le monde de n'importe bleu, nous d'autres qu'on a joint, était envahi par un esprit maléfique, un envahisseur, un bonhomme rouge, l'apôtre pourrait avoir de l'aide des autres mondes. Aussi, l'anneau augmente légèrement les PV. On peut se dire que c'est très utile. Vous voyez, ma barre est déjà plus haute qu'avant, grâce aux deux. Aux deux colliers qu'on vient d'avoir à bracelet, donc pourquoi pas. En même temps, on a connu l'histoire qu'on doit maintenant chercher quatre dômes avant de pouvoir aller voir le roi. Donc ces quatre dômes-là vont être un peu partout dans le monde de Drangelic, il va falloir les trouver. Mais avant, on va commencer par explorer Majula, et ça va déjà en faire une épisode complète ici. Je vous dis que c'est... Oh... Ah, je pourrais jamais avoir de niveau, ok. Mais... Non, je ne pourrais jamais porter l'arme là. Là non plus. Bref. On va commencer à mettre ça. Des potions et des armes si c'est moyennement nécessaire à moins de pouvoir augmenter nos armes. Lui on n'y parlera pas, ça ne tombe pas. Et notre forgeron ultime de ce qui m'a donné dans tout le jeu. Pratiquement, faut te dire. Ah bon. D'autres géomes de vie, c'est utile. Je savais que j'allais en récupérer, donc c'est pour ça que je voulais pas vraiment en avoir trop au début. Ici, on peut joindre un autre Covenant. Cette place-là permet tellement de... Cette région-là permet tellement, dans le fond, de mettre le jeu plus dur et all-in tellement. Ça m'intéresse pas trop pour le moment, faut te dire. Ici, c'est un piège. On ne peut pas sauter aller chercher l'item en bas-là. C'est un titre total, à moins d'avoir un certain item pour ça. En frappant la roche ici, vous allez faire monter un item. C'est un fragment de piole d'équipe qui permet d'avoir une autre piole de tout ici. On va en avoir deux pour commenter, pourquoi pas. Et on va aller voir notre... fameux marchand. Le marchand ici. Hello there. Welcome to my shop. I'm Morlin. And I sell armor. Oh, sorry, I... Please do have a look at my wares. Oui, je vais regarder. I could really
use the business. Hey, if you'd be so kind. Mm-hmm. Achetez, item. Achetez. Pas déjà. Well, I... Ouais. N'ai pas besoin de t'aider les dames, toi. J'ai déjà une armure acceptable pour commenter. Fragment de titanite, un item pour pouvoir améliorer nos armes. Et voilà. Donc maintenant, nous avons récupéré pas mal tous les items. Pas mal toutes. J'ai pas mal loin, hein. Donc on pourrait aller dans récupérer encore, pourquoi pas. On va aller... C'est n'importe quoi d'aller vers là, mais on va aller chercher tellement un coffre. On n'a aucune idée quoi qu'il y a dans le coffre encore, mais on va aller voir. Ici, c'est un endroit qu'on peut aller, qu'on peut faire bouger la table, mais le dispositif ne bouge pas, donc la seule place qu'on peut porter, c'est ici. Et là-dessus, je veux pas aller trop loin, ici. Là, je peux le faire, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'aime moyennement dans Dark Tour 2, c'est qu'on commence tout de suite, mais on peut tout de suite téléporter où qu'on veut, de feu en feu. Ça gâche un peu le... On dit pas le let... Ouais, ça gâche un peu le jeu, parce que non seulement t'es débutant, tu peux aller de là à là, comparé. Dans Dark Tour 1, il fallait que tu bouges de ton propre moyen. Bon, on a un bouclier. Regardons pourquoi je suis venu ici. Pourquoi pas aller à un autre feu? Pas loin d'ici, juste pour pouvoir y revenir plus tard en se téléportant. Que, t'sais, c'est pas ça mon but de vouloir téléporter, là, mais... C'est ça qu'il y a dans ce jeu-là, on peut téléporter, donc pourquoi pas le faire. Épée brisée de voleur. Et est-ce que ça l'attaque plus fort, oui? Je peux la porter à deux mains. Bon, c'est un petit peu meilleur que mon autre arme, ma dague, mais bref. Je suis comme en l'eau au 30 ans. 60, ça c'est 57. Dans le fond, ça vaut vraiment pas la peine de bien m'aider. Nous sommes à la tour des flammes vieilles. Non, dans le fond, notre but est juste d'aller à droite, là. Ok, nous voyons au feu, on va même pas t'attaquer ce bonhomme là tout de suite. Ça rien. Bon, bref. On allume le feu, si on peut te coucher et retourner à Majula. J'étais vite, mais il y avait trois places de téléportation. C'était les trois feux que nous venons d'allumer dans le jeu. Et oui, donc, ça va être pas mal tout pour cet épisode. Je vous dis suite demain, parce que... Ah là là, bon, bref. On va être tout pour cet épisode, que je vous dis. Wouhou! On est devant un bouclier, nous avons récupéré un bouclier. Nous avons, c'est ça, récupéré un bouclier, désolé pour le petit coup. Récupéré une épée, on va parler à... Oui, j'ai découvert un fragment. Here, let me see it. Ok. So that I may help you. Oui, oui. Oui, oui. Je suis bien d'accord. To see light, to see hope. However faint it might be. Ok. Amélioré, fait de tout. Youhou! On va en avoir deux maintenant! Le lendemain était notre aventure. Donc voilà. Deux fioles d'actus. On a récupéré une fiole d'actus, nous avons récupéré un bouclier et un feu de plus. Donc ouais. Ça va être tout pour cet épisode, les amis. Je vous dis surtout merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un j'aime si l'épisode vous a un minimum plu, parce que ça fait grandement plaisir. En même temps, ça montre que je fais du bon travail pour vous. Et je vous dis surtout. C'est là que la rage va commencer pour vrai, pour les futurs épisodes, parce qu'on va commenter le Let's Play pour de vrai. Donc je vous dis, bye bye!